Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Victor, votre agent de bord. Juste un tout petit instant, je vais faire une petite annonce en anglais. Hello and welcome to my channel. I'm Victor. If you used to follow me here in English, I'm actually on a new channel. So if you click on the link below, or there should be a box somewhere around here, you can see my new English channel as all the English will move over there. I'll continue now in French, so you have to change channel. Merci de m'avoir rejoint. Je suis Victor, votre agent de bord, ou steward comme on dit en France. Et avec vous, je partage chaque semaine des astuces, des trucs, des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Pour les gens qui n'ont pas compris l'anglais, ma chaîne anglaise est maintenant séparée de la chaîne française parce que YouTube avait un petit peu de mal à comprendre de quoi je parlais, qui j'étais. Donc on m'a conseillé de séparer les deux chaînes. Donc si vous voulez me suivre en anglais, vous avez vu la boîte qui apparaissait par ici, mais sinon on va continuer en français uniquement sur cette chaîne-là. Et fait que bienvenue à bord. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 6 raisons pour lesquelles on pourrait vous refuser de voyager à bord. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, mais les agents de bord, avec la collaboration du capitaine, du commandant de bord, on a la possibilité de refuser de transporter un passager. Une fois de plus, c'est pas quelque chose qui est très souvent, mais en général, c'est pour la sécurité des autres passagers à bord, de l'équipage et de l'appareil. Savoir que le gros de notre formation est sur la sécurité. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre un lien vers une vidéo qui se trouve par ici. J'avais parlé de la formation des agents de bord, mais on insiste énormément sur la sécurité. Le côté service, quelque chose qui vient vraiment à la fin, puisqu'on est d'abord là pour s'assurer à ce que vous arriviez de manière sécuritaire à votre destination. Donc si on a le moindre doute sur un passager qui pourrait causer des problèmes à bord, et pas forcément physiquement, vous allez voir, dans ce cas-là, on ne va pas prendre le risque et bien souvent, on va laisser ce passager au sol et on va l'inviter à prendre un vol un petit peu plus tard lorsqu'il sera dans les meilleures conditions. Alors les outils qu'on a, c'est tout d'abord de refuser l'embarquement d'un passager si on est encore au sol, mais on peut aussi pendant le vol menotter un passager, donc l'accrocher à son siège. Il n'est pas réellement accroché au siège, mais il ne pourra pas vraiment bouger de son siège par lui-même. On peut aussi confisquer, s'il y a l'alcool, on peut aussi confisquer l'alcool. Donc c'est les principales choses qu'on va pouvoir faire, et vraiment si ça dégénère, en général de toute façon s'il est menotté, on va avoir nos amis de la police qui vont nous attendre à l'arrivée. On a aussi la possibilité de dérouter un vol, donc si vraiment ça devient incontrôlable, le commandant de bord, et s'il y a un aéroport de déroutement qui est pas très loin, le commandant de bord peut aussi décider de changer de destination et d'atterrir sur un aéroport plus proche. En général, ça va se faire si jamais il y a un gros risque à bord, ou dans un cas différent, s'il y a une situation médicale et qu'on a besoin de transporter le passager immédiatement à l'hôpital. Une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, c'est jamais quelque chose qu'on fait par plaisir, parce que ça va pas être bon pour vous en général si la police attend à l'arrivée. Ça va être assez mauvais pour les autres passagers aussi, parce que ça va retarder leur plan de vol supplémentaire ou les plans qu'ils avaient fait à l'arrivée. Et pour nous-mêmes aussi, en général, soit on allait dans un hôtel dormir et on avait besoin de se reposer, ou on allait rentrer à la maison et ça veut dire qu'on va rentrer plus tard. Donc c'est jamais fait pour embêter quelqu'un, c'est toujours fait dans une règle sécuritaire et la décision se fait à plusieurs niveaux. C'est pas juste une personne qui va décider d'atterrir à un autre endroit ou de débarquer un passager. Alors la première raison pour laquelle on pourrait refuser de transporter un passager, c'est s'il a l'air intoxiqué. S'il a bu ou s'il est sous quelconque type d'intoxication, en général, à l'embarquement, on va essayer de le repérer. En tout cas, moi, là où je travaille, on doit toujours vérifier la carte d'embarquement, vérifier que vous n'êtes pas sur le même vol, mais en même temps, essayer d'engager rapidement avec le passager. Ça va être un bienvenu à bord, mais on va essayer de voir est-ce qu'on va sentir l'alcool. Effectivement, s'ils ont bu de la vodka, ça sent pas trop, mais on va essayer de juger un petit peu dans quel état se trouve le passager. Et là, j'ai un exemple. Un des derniers passager embarqué, il s'est assis en classe premium économie, il était au premier rang, donc juste devant lui il y avait un mur qui les séparait de la classe affaires et il a mis son sac au sol. Pour des raisons de sécurité, pour le décollage et l'atterrissage, on ne peut rien avoir au sol en face d'un mur ou près d'une issue de secours, simplement parce que c'est une voie d'évacuation et comme il n'y a pas de siège juste devant vous, il ne peut pas glisser sous le siège. Donc l'hôtesse l'approche et lui dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez mettre votre sac dans le coffre à bagages ?» Et il lui a répondu en utilisant un terme en anglais qui commence par un B et qui finit par un H. Qui n'est pas très gentil, biatch on va dire, et on n'est pas là pour tolérer ce genre de langage. Le monsieur avait un petit peu bu, donc elle est arrivée, on attendait un dernier passager qui arrivait. Elle est venue me voir avec un petit peu les larmes aux yeux, mais comme c'est une toute petite cabine, la première économie, on a seulement 21 passagers dans ce type d'appareil. Évidemment, tous les autres passagers l'ont entendu. Donc je lui ai dit, tu restes là, et j'ai été voir ce monsieur. Je lui ai dit, écoutez, vous avez deux options, soit vous présentez des excuses immédiatement à ma collègue, soit vous débarquez de l'avion et vous volez demain.
Il s'est excusé et j'ai été très clair. Je lui ai dit, a priori, je comprends que vous arriviez d'une autre destination et vous avez eu à attendre assez longtemps. Donc, vous avez peut-être passé du temps au bar. Maintenant, moi, je refuse de vous servir la moindre goutte d'alcool pendant l'intégralité du vol. Donc, vous êtes prévenu. Si vous préférez boire, dans ce cas-là, vous retournez au bar maintenant, vous prenez l'avion demain. Il n'a rien mangé, rien bu pendant les 7 heures de vol et cette nuit à Cairo. On n'est pas là pour se faire insulter. Donc, c'est une autre raison pour laquelle on pourrait refuser un passager, soit parce qu'il est intoxiqué, mais aussi parce qu'il a une attitude qui peut être dangereuse et on ne sait pas s'il prend un autre verre, ça peut s'aggraver. Donc, on ne peut pas prendre le risque pour vous autres, les passagers qui sont à bord, et pour nous, d'avoir quelqu'un qui pourrait devenir dangereux pour l'ensemble de la cabine. Si quelqu'un boit à bord sa propre alcool, bien souvent, je ne veux pas blâmer les passagers directement là-dessus parce que les boutiques de duty free n'aident pas vraiment. Ils vous vendent toujours ces mini bouteilles toutes petites qui ne sont pas chères que vous achetez et puis vous dites, oh, c'est bien, je vais pouvoir le boire à bord. En général, il est interdit de boire son propre alcool à bord, tout simplement parce qu'il y a un contrôle qui doit se faire. Donc, si vous nous demandez un gin, on va vous donner un gin, il n'y a pas de problème. Mais si vous en demandez beaucoup, dans ce cas-là, on va ralentir, on va s'assurer que vous mangez quelque chose. Mais si vous buvez votre propre bouteille de gin, dans ce cas-là, ça va être une autre situation. Donc, en général, on va d'abord vous informer poliment, parce qu'il est possible que vous ne le saviez pas. Une fois de plus, les boutiques duty free vous les ont vendues, donc vous pensez que c'est pour consommer à bord, mais non, c'est seulement à destination. Si vous récidivez et qu'on vous voit continuer à boire de votre bouteille, on va simplement vous le rappeler gentiment et on va mettre la bouteille dans le coffre à bagages au-dessus. Si vraiment vous continuez à boire de cette propre bouteille, et c'est le troisième avertissement, dans ce cas-là, on prévient le commandant de bord et on va confisquer la bouteille. On va vous la rendre à l'arrivée, ne vous inquiétez pas. Effectivement, c'est une bouteille de bière qui est ouverte, mais dans ce cas-là, vous ne l'aurez pas à l'arrivée, elle va être vidée. C'est juste pour éviter à ce qu'il y ait quelqu'un qui devienne intoxiqué en buvant un petit peu trop. Donc au moins, nous, en distribuant l'alcool, on peut avoir un meilleur contrôle de la cabine. Je vous en ai parlé, c'est si vous êtes non respectueux des autres agents de bord ou même des passagers qui sont autour de vous, si vous commencez à parler assez fort ou à vous attaquer à un autre passager qui se trouve autour de vous, un membre de l'équipage, dans ce cas-là, ça peut vous coûter cher. J'avais raconté une histoire où j'avais failli menotter un passager juste avant l'arrivée, donc si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien par ici. Ce monsieur, ça a failli lui coûter plus de 10 000 $ et 2 ans d'emprisonnement si jamais il ne s'était pas tenu à carreau pour le reste du vol. Autre cas où on peut vous refuser de voler, c'est si vous êtes malade ou si vous avez vomi pendant l'embarquement ou juste on vous a vu avant qu'on ferme la porte. Bien souvent, c'est parce qu'on ne peut pas prendre le risque à ce qu'il y ait une maladie qui soit contagieuse, qui soit à bord de l'appareil. Donc, si quelqu'un vomit en général, c'est qu'il peut avoir un problème. Ça peut être aussi parce qu'il a trop bu, mais bien souvent, ça peut être une maladie. On ne sait pas d'où viennent les passagers. Ils viennent d'une ville spécifique, mais en général, ils ont pris un vol venant d'ailleurs aussi. Il y a toujours des tas de correspondances maintenant avec les systèmes aérien. Et donc, en général, les aéroports d'arrivée ne veulent pas avoir à gérer avec un passager qui pourrait être malade ou les destinations. C'est fait que très, très souvent, si une personne est malade ou a de la fièvre, on va nous demander de refuser l'embarquement et cette personne va être mise sur le vol suivant. Et puis, le dernier point, je ne l'ai jamais vu en vol, mais je sais que c'est arrivé, c'est si pendant le vol, vous essayez d'ouvrir la porte, bonne chance, ça ne s'ouvre pas. Il y a tellement de pression qui se fait autour, ça fait que la porte ne s'ouvrira pas. Mais si on voit quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, ben, dans ce cas-là, il essaie de faire quelque chose complètement illégal et donc il va être arrêté à l'arrivée et en général va devoir payer une forte amende. Donc n'essayez pas d'ouvrir la porte des toilettes ça suffit, mais la porte de l'avion vous n'irez pas dehors de toute façon. Donc si ça vous tente de sauter, vous prenez un autre type d'avion et ceux-là sont équipés d'un parachute. Mais nous dans nos avions on n'a pas ce genre de choses. Alors une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais on fait toujours ce genre de choses pour protéger la sécurité des autres passagers, de l'équipage et de l'appareil. C'est jamais par gaieté de cœur et je suis bien heureux, ça ne m'arrive pas très souvent et ça n'arrive pas très très souvent à mes collègues non plus. Voilà, c'était la petite vidéo de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'aimez, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Vous avez juste le petit bouton rouge qui se trouve par ici, vous appuyez dessus et c'est magique. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, ça ne vous oblige pas à regarder mes vidéos, mais au moins vous serez informé lorsqu'il y a quelque chose. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!